Bonjour à tous, amis de Saint-Michel. On a pris l'habitude, voilà, c'est la deuxième fois de nous retrouver le 29 de chaque mois pour parler de Saint-Michel, pour prier Saint-Michel. C'est une longue tradition qui apporte beaucoup de grâce. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Marie et de Michel. Le même combat, c'est un extraordinaire tandem, une merveilleuse équipe formée par la Vierge Marie et Saint-Michel dans le combat contre le serpent. Et c'est Dieu qui va constituer ce tandem. On le voit dans la Bible, dès le premier livre de la Bible, dans la Genèse, le serpent, qui symbolise Satan, approche Ève, la mère de tous les vivants, pour mieux lui faire perdre, ainsi qu'à son mari, l'alliance avec Dieu, et être rejetée du paradis. Dans le chapitre 3, verset 24, après avoir chassé Adam, Dieu poste à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'ange à l'épée flamboyante, vous l'aurez reconnu, c'est Michel. Et dans l'Apocalypse, le tout dernier livre, l'Apocalypse au chapitre 12, on voit d'un côté Michel qui reçoit la mission d'engager le combat contre le serpent qu'il vaincra et qu'il chassera du ciel. Et d'un autre côté, le serpent qui fait la guerre à la femme enceinte, à l'enfant dont elle accouche, le tout sans succès. Je vous laisse lire les détails de ces passages, de ces versets du chapitre 12. Ce qu'il faut en conclure, c'est que Michel, à l'épée flamboyante, gardien de l'arbre de vie, et celui qui va accompagner la Vierge, il est son ange gardien. Des confirmations dans les apparitions de Marie nous les donnent. La Vierge de Guadalupe qu'on a fêtée récemment est apparue en 1531 à l'Indien Saint Juan Diego, c'était au Mexique, et en dessous de cette représentation qui s'est imprimée miraculeusement sur le manteau de l'Indien, on voit un personnage avec des ailes d'aigle. Et cela fait référence à la mythologie aztèque, où l'aigle triomphe du serpent. Celui qui a reçu la mission et le pouvoir de vaincre le serpent, c'est Michel. Et dans cette représentation de Notre-Dame de Guadalupe, Michel soutient à la fois le berceau renversé, symbolisant tous les enfants avortés, Marie est la patronne des enfants refusés, mais il soutient aussi la Vierge. Beaucoup plus récemment, à Fatima, en 1917, l'ange est apparu aux enfants, d'abord en 1916 pour précéder les apparitions de la Vierge, et puis il s'est nommé l'ange du Portugal, l'ange de la paix, il communiera les enfants, donc c'est l'ange de l'Eucharistie, et c'est dans la dernière partie, le troisième secret, que Lucie voit un ange à l'épée flamboyante qui doit envoyer un châtiment sur la terre, mais la Vierge Marie s'interpose entre cette épée flamboyante et le châtiment pour attendre, on va dire, l'envoi du châtiment. Garabandal, en 1962, Michel, cette fois-ci il se nomme, mais il apparaît aussi avant la Vierge, et il annonce la Vierge. Il donnera le second message à une des quatre petites filles, à Conchita, le 18 juin 1965. Je cite « L'ange a dit de la part de Notre-Dame du Mont Carmel, « Puisqu'on n'a pas accompli et que l'on n'a pas fait connaître au monde mon message du 18, je vous dirai que celui-ci est le dernier. Avant, la coupe était en train de se remplir, et voici maintenant qu'elle déborde. Beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres s'engagent sur le chemin de la perdition, entraînant avec eux un grand nombre d'âmes. L'Eucharistie est chaque jour plus maltraitée. Nous devons tout faire pour écarter de nous la colère de Dieu. Si vous lui demandez pardon dans la sincérité de vos âmes, il vous pardonnera. Moi, votre mère, par l'intercession de l'ange Saint-Michel, je viens vous dire de vous corriger. Vous êtes entrés dans les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Adressez-vous à nous sincèrement et nous vous exaucerons. Il faut vous sacrifier davantage. Pensez à la passion du Christ. » Voilà, Marie, Michel, travaillent ensemble
Ils sont vraiment le tandem, le duo de choc. Et puis, je voudrais citer aussi une mystique qui est vénérable. Donc, c'est Marie d'Agreda. C'est d'après ses révélations que Mel Gibson a fait le film La Passion. Alors, vous voyez, c'est quand même une référence. Voilà ce qu'elle dit dans son tome 10, Vie divine de la très sainte Vierge Marie, au chapitre 65. Elle parle de la naissance de Jésus. Le saint enfant vint au monde très beau et tout resplendissant, sans blesser la sainte virginité, parce qu'il pénétra le sein virginal comme un rayon de soleil. Il n'avait point cette espèce de tunique qu'on appelle seconde, dans laquelle les autres enfants sont enveloppés. Il vint au monde glorieux et transfiguré, car la gloire de son âme sainte rejaillissait alors sur son corps. Aussitôt qu'il fut né, les saints archanges Michel et Gabriel le prirent dans leurs mains et le montrèrent. Encore une fois, Michel est là, Gabriel aussi. Souvent, ils sont ensemble. Quand on ne les nomme pas et qu'ils sont deux anges, vous pouvez être sûr que c'est Saint Michel et Saint Gabriel. On comprend aujourd'hui pourquoi l'archiconfrérie du Mont Saint-Michel met les jeunes enfants et les adolescents jusqu'à 18 ans, ils sont confiés à la protection de Marie, Notre-Dame des Anges. Voilà, c'est lumineux quand on a des informations précédentes. Et non seulement donc à l'intercession de Saint-Michel, mais sous la protection de Marie, Notre-Dame des Anges. L'archiconfrérie, je vous en dis deux mots, elle permet vraiment une large union de prières entre ses membres et un lien avec les célébrations qui se déroulent au sanctuaire. Pour être membre de l'archiconfrérie, il faut avoir plus de 18 ans quand on fait une inscription personnelle. Sinon, donc, on peut placer les jeunes de moins de 18 ans sous la protection de Marie, Notre-Dame des Anges et à l'intercession de Saint-Michel. Je vous ai mis le lien, si vous avez dans le cœur d'inscrire des jeunes pour être justement officiellement protégés par Saint-Michel et par Notre-Dame des Anges. À présent, rentrons dans la prière. On va prier donc en premier le chapelet de Saint-Michel et du Neuf Cœurs des Anges. Embrassons la médaille du chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Le premier, notre Père, est en l'honneur de Saint Michel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le deuxième Notre Père est en l'honneur de Saint Gabriel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le troisième Notre Père est en l'honneur de Saint Raphaël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le quatrième Notre Père est en l'honneur de notre ange gardien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
au premier cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des Séraphins, que le Seigneur nous rende dignes d'être embrasés dans la flamme d'une parfaite charité. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au deuxième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des chérubins, que le Seigneur nous fasse la grâce d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au troisième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des trônes, que le Seigneur répande dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au quatrième cœur des anges,
par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des dominations. Que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos passions désordonnées. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au cinquième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des puissances, que le Seigneur daigne protéger nos âmes contre les embûches et les tentations du démon. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au sixième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des vertus, que le Seigneur ne nous fasse pas succomber à la tentation, mais qu'il nous délivre de tout mal. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au septième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des principautés, que le Seigneur remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère obéissance. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au huitième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste des archanges, que le Seigneur nous accorde le don de la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du paradis. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au neuvième cœur des anges, par l'intercession de Saint Michel et du cœur céleste de tous les anges, que le Seigneur daigne nous accorder d'être gardés par eux pendant cette vie mortelle, pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très glorieux Saint-Michel, chef et prince des armées célestes, gardien fidèle des âmes, vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de Dieu, notre admirable guide après Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu sont suréminentes, daignez nous délivrer de tous les maux, nous tous qui recourons à vous avec confiance, et faites que par votre incomparable protection, nous avancions chaque jour dans la fidélité à servir Dieu. Priez pour nous, ô bienheureux Saint-Michel, prince de l'Église de Jésus-Christ, et on répond, afin que nous puissions être dignes de ses promesses. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par un prodige de bonté et de miséricorde, pour le salut commun des hommes, avez choisi pour prince de votre Église le très glorieux archange Saint-Michel, rendez-nous dignes, nous vous en prions, d'être délivrés par sa bienveillante protection de tous nos ennemis, afin qu'à notre mort, aucun d'eux ne puisse nous inquiéter, mais qu'il nous soit donné d'être introduits par lui en présence de votre puissante et auguste majesté, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. La prière de Saint-Michel Archange du pape Léon XIII. Et celle-ci, il faut la réciter tous les jours, surtout après la messe. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Consacrons-nous personnellement à Saint-Michel. Ô grand prince du ciel, gardien très fidèle de l'Église, Saint-Michel archange, moi, dites votre nom. Quoique très indigne de paraître devant vous, confiante néanmoins dans votre immense bonté, touchée de l'excellence de vos magnifiques prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagnée de mon ange gardien, et en présence de tous les anges du ciel que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis pour mon protecteur et mon avocat particulier, et je me propose de vous honorer toujours et de vous faire honorer autant qu'il me sera possible. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que je n'offense jamais les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, et plus spécialement les tentations contre la foi et la pureté. Et à l'heure de ma mort, donnez-moi la paix de l'âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. Prière à Marie, reine des armées célestes. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Saint Michel archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel archange, de tes ailes protège-nous.
Et Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Et que par la miséricorde de Dieu, par la bonté infinie de son amour pour nous, il nous bénisse par l'intercession du prince de toutes les armées célestes, Saint Michel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis priez bien, continuez à prier bien et on se retrouve au 29 janvier l'année prochaine. À bientôt !